Bien, salut à tous et à toutes, c'est Ice Cream Studio, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier coup de cœur. Malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer. Ladies and gentlemen, non c'était nul, ouais, j'ai le regret de vous annoncer que la série s'achève tout simplement parce que c'est mon troisième coup de cœur. Et j'ai réduit un peu parce que j'avais à peu près 6 coups de cœur et puis j'ai décidé d'éliminer ceux qui m'avaient déçu par la suite et donc voilà, j'ai éliminé, donc voilà, donc on se retrouve donc pour le dernier coup de cœur avec mon petit ACR chéri, ACR 6.8. D'ailleurs vous voyez qu'il est en camouflage rouge, il est niveau 28, donc je joue sur la map Ardat en domination. La compétence de l'arme, j'ai mis deux accessoires, donc c'est viseur laser et silencieux. Je joue avec les atouts passe-passe pro, assassin pro je crois, et tracker pro. Et je joue encore une fois en spécialiste, premier atout spécialiste qui est tireur d'élite, indétectable et pillard. Donc voilà, donc ma classe vraiment préférée je dirais de ce MW3, pardon. Ouais, ce MW3 qui m'a vraiment vraiment plu. Petite doublette au passage, magnifique. Je débloque mon atout indétectable. Oui, donc l'ACR 6.8 qui m'a vraiment 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 plu dans ce MW3. J'ai mis longtemps, pardon, à m'en rendre compte que cet ACR était quand même dévastateur. Je devais vous poster normalement le gameplay jeudi. Mais je vous avoue que j'ai quand même un peu saturé vu que le vidéo des la vitesse des vidéos cette semaine m'a un peu fait saturer, donc voilà, j'ai fait une petite pause, mais voilà, donc je poste ce gameplay aujourd'hui samedi 10 mars 2012, et oui, lundi c'est la rentrée malheureusement, donc le niveau des vidéos, si je peux dire, va rediminuer, donc un gameplay par semaine voire deux, on verra, j'y pense, et puis voilà. Vous devez vous demander mon troisième épisode des Kikoubaf, et ben j'ai pas encore pu l'enregistrer malheureusement, mais j'y travaille parce que j'ai pas vraiment d'inspiration pour ce troisième opus, si je peux dire. Là, je vous parle un peu de ma chaîne, tout simplement parce que le début du gameplay n'est pas très intéressant. Je vais faire un score potable, je vais pas faire un score exceptionnel comme les... Enfin, exceptionnel, un score vraiment cool comme les deux précédentes vidéos. Mais en tout cas, si vous avez pas pu trop vous en rendre compte, là, regardez ce que je vais faire. Je vais faire un joli petit carnage. Voilà, je fais une quad ou... triple feed ou quad feed j'ai fait. Donc voilà, donc je vous parle un peu de ma chaîne parce que le début du gameplay est pas très intéressant. En tout cas, si vous trouvez que j'ai pas assez démontré, si j'ai pas assez expliqué sur cet ACR, regardez là, je saute pour perturber mon ennemi. J'ai appris ça par le V12. toujours utile ces tutoriels. Vous pouvez, si vous avez pas pu vous rendre compte de la puissance de l'arme, allez voir mon gameplay précédent sur la CR 6.8 et vous pourrez voir à quel point il est dévastateur. Donc je vous dirai quand le gameplay commencera à être intéressant, parce que là je fais pas vraiment un gros carnage. Même si je montre quand même dans ma série en spécialiste, je débloque tous mes atouts. Donc la semaine prochaine, donc la semaine où je reprendrai les cours, j'essaierai, je posterai peut-être pas de gameplay. Si je poste un gameplay, ça sera sûrement pour vous divertir, parce que j'ai l'intention d'essayer de faire une mob la semaine qui va arriver, la semaine suivante. Je vais essayer de faire une mob. Après, si j'arrive pas à faire la mob, et si je me rends compte que ma chaîne est trop longtemps inactive, et ben je ferai un gameplay tout simple. Et puis on verra. Par contre, la mob, je peux rien vous promettre. Qu'est-ce que j'allais dire aussi d'autre? Oui, les gameplays sur MW2 aussi qui vont arriver, parce que j'en ai un peu ras la casquette de MW3. D'ailleurs, je vous propose ce score potable
Parce qu'il n'y avait pas d'autres parties, il n'y avait pas d'autres parties mieux que celle-là. Ben voilà, le score de fin est vraiment pas top. Mais ça va, ça se maintient. Je peux déjà vous dire que c'est au-dessus des 10 kills, donc ça va. Donc voilà. Là, j'attendais parce qu'il y avait plein d'ennemis dans le tunnel. Je me suis dit, mais putain, ils vont décider à sortir ou quoi. Je me suis dit, bon, on va pas camper tout le gameplay quand même, ça serait vraiment dommage. J'étais avec mon ami Monsters. Oula, putain, j'ai dû vous faire un de ces bruits désagréables dans le micro. Je suis désolé, j'ai tapé dans le micro sans faire exprès parce que mon micro il est bas. Pour que vous m'entendez bien. Donc oui, j'étais en compagnie de mon ami Monsters qui a fait une vidéo avec, qui a déjà fait une vidéo avec moi. Je crois que c'était ouais le mode survival. Donc il a fait déjà une vidéo avec moi sur ma chaîne. Donc bah, voilà, j'étais avec lui, il était avec la P90. Puis j'aurais pu faire un gameplay sur la P90, mais je me suis dit trop abusé. Les gameplays que je devais faire, les trois gameplays qui me restaient et que j'ai éliminé, c'était la P90. Donc tir rapide et viseur laser, je crois. P90 tir rapide. Donc c'est à partir de ce moment-là que le gameplay va devenir intéressant. Mais c'est pas grave. La P90 tir rapide. Ouais, je débloque tous mes atouts, mais voilà, je me fais tuer derrière. Donc oui, donc P90 tir rapide, viseur laser, donc deux accessoires. Ensuite, c'était la MP7 tir rapide silencieuse, donc deux accessoires encore une fois. Et le troisième, c'était c'était quoi? Là vous voyez que j'ai quand même bien le niveau quand même sur mes ennemis. C'était quoi le troisième? La PP90M1, qui est une arme quand même surcheatée, donc je me suis dit non, je vais pas leur proposer ça, ça serait malhonnête de ma part. Parce que déjà on a du mal avec ce MW3, alors si ensuite je commence à jouer à la PP, ça serait vraiment dégueulasse. Donc voilà, je respecte énormément mes adversaires quand ils jouent normalement, si je peux dire. Là j'en tue un, mais je suis flashé. Allez, c'est parti, je commente le gameplay maintenant. Sinon vous allez vous faire chier. Donc vous voyez que je fais pas un très très gros gameplay. Hein. Je rencontre pas beaucoup d'ennemis. Vous allez voir. Là voilà, là je le tue totalement, la toupie. La tout tracker, pardon, qui me permet d'avoir le dessus sur mes ennemis. Lui, il était avec un fusil à pompe. Donc voilà, main du mort, bien joué pour toi. Et là, la P90, regardez, qui est vraiment dévastatrice. Je sais pas si c'est du dévastatrice, mais enfin bref. Donc voilà, vous voyez que je me fais vraiment enchaîner. Donc là, j'ai de la chance qu'il recharge et qu'il me rush. Je sais pas pourquoi il rechargeait en me rushant, mais bon. Tant pis, c'est pas grave, on continue. Donc là, j'essayais de contourner mes ennemis, mais il y avait rien à faire. C'était vraiment dur dans cette partie. Donc voilà, j'ai essayé de faire un beau score. J'avais un peu de peine, donc voilà, j'ai géré quand même le score de. Le score est potable à la fin, donc voilà, c'est pour ça que je vous poste le gameplay, sinon je vous l'aurais pas posté. Si je vous le poste, c'est que je pense que ce gameplay peut vous aider. Donc voilà, donc je vous le dis encore, ce gameplay vous sera posté samedi. Donc aujourd'hui. Donc là, on continue. Voilà le blanc que j'ai fait. Bon, lui camper, je crois, derrière la benne là. Enfin bref, on continue. Je suis désolé si j'ai pas encore, j'ai pas trop la patate sur ce gameplay, tout simplement parce que ben voilà, je sais pas trop quoi dire parce que je fais pas un gros score, donc je peux pas vous dire. En tout cas, je vous conseille bien les atouts hein, sur la CR6.8, Passe-Passe Pro, Assassin Pro et Tracker Pro. Donc c'est vous êtes invisible au drone et grâce à Assassin il vous recharge vite, donc c'est bon. Et ensuite en spécialiste vous mettez tireur d'élite, indétectable et pillard. Après vous pouvez inverser aussi, pillard et indétectable, vous mettez derrière tireur d'élite, vous mettez pillard, parce que sinon vous manquez vite de balles. Et indétectable en dernier. Voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Rejoignez moi sur Facebook, rejoignez pour me suivre sur Twitter. J'ai dit de la merde, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un commentaire, faites tourner ma chaîne. Et puis à la prochaine, salut tout le monde. Merde, avant de vous dire salut, le gameplay est de 22-9. Donc voilà, petit score, bon, c'est pas grave. Allez, à la prochaine, salut tout le monde.